Fan Delphine Bali. Eh oui Delphine, ça devait arriver un jour, hein. Eh oui. J'arrive. Inutile de te dire qui est le parrain de ton parrainage. Eh ouais. C'est avec un très grand plaisir que nous accueillons dans notre confrérie Delphine, installée avec son conjoint, par ailleurs notre illustre président, chemin de la Combe à Césaria. Maman de trois garçons, c'est pas vrai, mais c'est, elle est maman de trois garçons. Tous adeptes du VTT dans le sillage de leur papa, donc à la cape des indices. Hein. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que Johan vient de porter haut les couleurs de Césaria au très célèbre Roc d'Azur, où il ne s'est ni cassé ni un bras d'une jambe. On peut l'applaudir. Revenons à Delphine, qui s'est engagée fortement au service de la vie de notre village, au travers de sa vie scolaire et périscolaire. Engagée au sein d'une fédération de parents d'élèves depuis 12 ans, elle a assumé des responsabilités régulières et fortes au sein du Sous des écoles, association à laquelle elle continue d'apporter son aide et son soutien. Bénévole au sein de l'ADMR, structure exigeante s'il en est, son sens du devoir et de l'attention portée à son prochain l'a conduit également à participer au CCRS en qualité de membre bénévole, premier pas peut-être, et je ne peux que le souhaiter pour notre village, vers un engagement encore plus fort en direction de notre vie communale. Les élections sont dans 4 ans, Delphine. Delphine exerce aujourd'hui la fonction d'assistante commerciale à l'importation, qui vient prolonger un parcours étudiant couronné par une licence de commerce international de l'université de Leeds. Vous savez, Leeds, chez nos chers amis anglais qui organisent ces temps-ci leur Coupe du Monde de rugby. À titre personnel, Delphine aime la natation, pratique la gymnastique, le ski ou encore la marche, autant d'activités qui compensent tout l'hiver. Une addiction bien sympathique, celle qu'elle aurait en faveur du chocolat. Dégustation. Merci, Johan. Bien, Delphine ayant goûté, donc dégusté le jus d'Atrel, nous pouvons prononcer notre formule rituelle. Allez, vous l'avez. Et bien, Delphine, ce soir, tu es donc splendide souche, classe supérieure. J'appelle le profane Sébastien Frick. Bien Sébastien, tu es parrainé par Nadine Perrault. C'est avec grand plaisir que nous accueillons le profane Sébastien Frick, dont je garderai longtemps en mémoire son arrivée à Césaria. Venu en éclaireur d'une famille composée d'une femme et de trois enfants, il était en charge de trouver le logement qui leur permettrait de s'installer dans notre cité avant de rejoindre notre belle neuve caserne.
dans l'urgence. Je lui ai présenté le meilleur de ce que nous pouvions lui offrir et je retiens l'extrême politesse de ses propos, en même temps que le caractère très expressif d'un visage qui en disait long sur sa détresse. Bref, les choses se sont arrangées, et même plutôt bien, si j'en juge à l'investissement qui est aujourd'hui le sien dans notre ville locale. Vous savez, il y a des personnes qui vont traverser la vie d'une commune d'une façon quasi anonyme, et d'autres qui, à peine arrivées, font déjà presque partie de notre quotidien et de la vie de notre cité. Et bien clairement, la famille Frick fait partie de cette deuxième catégorie. Et puis, tu ne m'en voudras pas, Sébastien, il faut bien reconnaître que lorsqu'on avait annoncé ton arrivée, nous étions légitimement un petit peu inquiets. Quand on s'appelle Frick et qu'on est dans la gendarmerie, on dit qu'il n'y a pas de hasard et qu'il faudra faire attention à son carnet à souche. De ce côté, nous sommes rassurés, la dimension humaine de l'activité prend le pas sur la dimension purement militaire pour s'inscrire dans la droite ligne d'un exercice que l'on peut qualifier d'intelligent, mais c'est délicat, fonctionne. Des qualités reconnues également par sa hiérarchie, puisqu'il est titulaire, à titre militaire, de la médaille d'or de la Défense nationale. On peut l'applaudir. Spécialiste de la course à pied, il en a fait la démonstration samedi dernier à la Rock et Gravillon, où nous avons pu apprécier ses qualités de grimpeur, et on va apprécier un peu à l'heure ses qualités de descendeur. Il est également adepte du ski et de l'escalade, et il revêt toutes les qualités pour rejoindre notre confrérie. Eh bien, Sébastien, à genoux. Pas trop fort, quand même. Descendeur de Sébastien. Bon, je pense qu'on peut l'applaudir. Donc, Sébastien, ayant débuté le Vendu de la Traille, nous pouvons donc prononcer votre formule rituelle. Allez, vous l'avez. Alors, Sébastien, ce soir, tu es beau sarment, classe supérieure. Claire Froment et Laurence. C'est ça. Claire et Laurence Froment. Bien, Claire et Laurence sont parrainés par Marie Splachon. Alors, une fois n'est pas coutume, et c'est même une grande première dans notre confrérie, nous accueillons simultanément deux sœurs jumelles, Claire et Laurence. Claire et Laurence. Je les connais pas depuis très longtemps, donc vous m'excuserez si je les confonds un petit peu. Indissociables dans la vie, comme elles l'étaient sur les terrains de basket, Claire et Laurence sont originaires de Rovena, commune autrefois renommée pour ses équipes de basket, sport qu'elles ont toutes deux pratiqué au plus haut niveau départemental et régional, avec une complicité qui faisait merveille. Si elles ont fait leur classe dans les équipes locales, elles ont ensuite évolué au niveau régional avec le club de Viria, avec les célèbres Tango, où elles ont contribué à faire les beaux jours de cette équipe Viriati. Il faut bien dire qu'à Rovena, la famille du Suc, avec notamment leur grand-oncle, l'emblématique Loulou, était une commune renommée pour ses équipes de basket. Claire et Laurence ont suivi une voie professionnelle exigeante
celle du métier de la comptabilité, chère bien sûr notre belle commune voisine de Rovena. Voilà, métier et profession, donc où elles excellent toutes les deux, et nous les remercions d'accepter aujourd'hui de rejoindre les rangs de notre confrérie. Alors, originalité, c'est 4 coups de maillet là cette fois. Allez Laurence, à toi. Ah d'accord. Voilà. Eh bien, Claire et Laurence ayant dégusté le jus de Vatreille, nous pouvons donc prononcer notre formule rituelle. Allez, vous l'avez. Alors Claire, ce soir, je te déclare magnifique grappe classe supérieure. Eh bien, Laurence, c'est la même chose. Magnifique grappe classe supérieure. De la ruralité, il est originaire de la commune de Rignat. J'ai bien dit Rignat, puisque cette localité demeure commune à part entière, tout en étant commune associée à celle de Bois-Vergnat, lesquelles sont fusionnées maintenant depuis quelques années. Maurice Robert reste très attaché au Revermont, à ses traditions, notamment celles liées à la chasse, activité qu'il exerce en compagnie de son épouse Ali, au sein de la Société communale de chasse. Après des études au lycée Lalande, où je peux attester de son sérieux et déjà de ses grandes capacités, notamment à la belote et au tarot, il a rejoint l'école normale, ayant réussi avec brio le concours d'entrée qui était alors proposé au cours de la scolarité. Instituteur, puis professeur d'école, sa carrière s'est ponctuée d'une façon originale, mais je ne sais pas si c'est le terme qui convient, en qualité d'enseignant, puisqu'elle a exercé à la prison de Bourg-en-Bresse. Un choix courageux, dicté par des convictions humaines que l'on sait prononcer, qui fait de lui un des enseignants qui aura passé sans doute le plus de temps en prison. Pour Maurice, c'était quand même pour la bonne cause. Engagé par ailleurs comme responsable de la propriété foncière et forestière, des qualités qu'il sait mettre en pratique à Rignat, tronçonneuse à la main, il est papa de 2 filles et grand-père de 2 et très prochainement 3 petits-enfants. Aujourd'hui retraité, il peut dès lors s'adonner pleinement à ses responsabilités familiales tout en suivant avec assiduité les résultats sportifs locaux, en particulier ceux du rugby, qu'ils soient ceux de l'UNESCO ou de Sivande-sur-Suresnes. Merci. Le coup de maillet. Le coup de maillet, le coup de maillet. Et un genou. Ah oui. Ah oui. Donc, la dégustation du Hindou, Boris.
Ah oui, oui. Bien, très bien, Maurice ayant dégusté le jus de la traite, nous pouvons donc prononcer notre formule rituelle. Allez, vous l'avez. Alors Maurice, bien que tu sois très surpris, en plus aujourd'hui, tu es nommé brillant jus classe extraordinaire. Bien, je vais demander maintenant.